Le Drumba, situé à Cocody Riviera Golf, est désormais fermé. C'est ici que travaillaient des jeunes filles comme serveuses à moitié nues. La police a fait une descente dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril. Le gérant et le digueur interpellés ont été conduits devant le parquet. 15 jeunes filles entendues et mises à la disposition de la ministre de la Solidarité qui les a reçues ce mardi à son cabinet au plateau afin de comprendre leur situation. J'ai deux enfants et plus bon. Franchement, c'est moi-même qui m'occupe de mes enfants qui vont à l'école et tout ça. Donc, personne ne m'a envoyé dans ce bar. C'est moi qui ai décidé d'aller travailler là-bas parce que vraiment, j'ai gagné bien ma vie là-bas. Amener les clients à consommer la boisson par tous les moyens, c'est bien la tâche difficile, aux conséquences souvent irréversibles à laquelle se livrent ces filles entre 18h et 6h du matin. Il n'y a pas trop longtemps, fait pas encore une semaine de cela, j'ai découvert que je souffre d'un début de cirrhose de foie. Cela est dû à la consommation abusive de l'alcool et puis à les boissons frelatées. Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour, elles sont souvent battues ou violées par des hommes ivres. La ministre de la Solidarité a décidé de les aider. Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme proposait autre chose à ces filles qui apparemment sont volontaires. Je les recevrai donc jeudi à nouveau pour leur permettre de franchir le pas, de s'engager et de choisir la vie qu'elles veulent mener. Mais je crois que elles ont le droit de se battre pour leurs enfants, pour leur famille, mais pas à n'importe quel prix. Mais Anne-Désirée Ouloto n'en restera pas là. Des descentes aux policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes. Oui, il faut s'y attendre. Nous avons une réunion il y a à peine 10 jours. Aujourd'hui, voici les premiers résultats. Madame la directrice de la police mondaine nous a assuré que ce complexe ou ce bar ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau. Tout en invitant les filles à sortir de ce milieu et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme déguisés dans les bars et autres lieux, la ministre compte ouvrir un centre d'accueil pour recevoir ces filles aux conditions difficiles.